J'étais seul, perdu, comme on dit dans mes pensées. J'avais un livre à la main, Manet, par Georges Bataille. Toutes les femmes de Manet ont l'air de dire « Je sais à quoi tu penses ». Sans doute parce que, jusqu'à ce peintre, et je le savais par Malraux, la réalité intérieure restait plus subtile que le cosmos. Les célèbres et pâles sourires de Vinci et de Vermeer disent d'abord « moi ». Moi, et le monde ensuite. Et même la femme à l'écharpe rose de Corot ne pense pas ce que pense Olympia. Ce que pense Berthe Morisot. Ce que pense la Barmette des Folies Bergères. Parce que le monde, enfin, le monde intérieur, a rejoint le cosmos. Et qu'avec Édouard Manet commence la peinture moderne, c'est-à-dire le cinématographe. C'est-à-dire des formes qui cheminent vers la parole. Très exactement, une forme qui pense. Que le cinéma soit d'abord fait pour penser, on l'oubliera tout de suite. Mais c'est une autre histoire. La flamme s'éteindra définitivement à Auschwitz. Et cette pensée vaut bien Fifrelin.